Bon. Bon, un hommage à un métier que j'ai quitté il n'y a pas longtemps, dans l'éducation nationale. Feu à cette institution vraiment dépassée. La jeunesse aujourd'hui a l'impression qu'on vit toujours rapidement à la McDonald's. Ce slam est un fait divers sur un gars de mon bahut, un petit Mac qui s'appelle Gérald. Mon petit Mac fait 1m30 de haut à tout casser, il a rarement ses 32 ans. Il en a même une ou deux aiguisées depuis qu'il s'est fait casser. Mon petit Mac n'a vraiment peur de personne et se bat aussi bien avec des 6e, des 5e, des 4e, voire même des adultes lorsque l'heure de la récré sonne. En ce jour, c'est vrai que j'étais particulièrement mal luné. Plus d'humeur à déterrer la hache de guerre que de fumer qu'allumer. Quelle tumeur j'allais réveiller en lui en foulant simplement le faire travailler. J'ai pris ma plus douce voix, pourtant presque celle d'une mère câline, mais j'ai tout de suite senti dans son regard l'adrénaline monter, alimentée par la plus puissante des piles alcalines. Allez Gérald, si on faisait ensemble ton français. Non, me répondit-il de ses sourcils froncés. Allez Gérald, ça ne me prendra au pire qu'un quart d'heure, réprimant en moi l'ardeur d'un débit d'impatience devant ce gamin qui s'entête. Non, vas-y, tu me prends la tête, se renfrogna-t-il d'un air boudeur, c'était parti pour le casse-tête. Sa tête mérite qu'on s'y arrête quelques secondes avant de continuer. Les cigognes sont parfois cyniques quand elles descendent des nuées. Mon petit Mac avait presque la gueule de Sinoc, rappelez-vous au ciné le film des Goonies. Si je jouais le DC dans mon collège, il aurait à coup sûr le rôle du Cyclope et certainement pas celui d'Ulysse. Enfin bref, je prends sur moi et je pars sur une autre option. Tu n'es qu'à aller le faire avec Alizée, une jolie fille de sa classe, juste donc sur la compassion. Mon petit Mac a son petit succès, caresse la joue classe pour compenser son physique inquiétant. Et puis, à cet âge-là, les filles aiment les petits durs, allez comprendre chez les ados les effets secondaires du printemps. Mais bon, ce jour-là, elle avait décidé de jouer les ordures, me cria dessus en jetant sa chaise. Je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis 13 ans, si je le veux, je te baise. Arrêtons-nous un instant pour faire l'exégèse de ce qui vient d'être annoncé. Les gosses en colère balancent des insultes sexuelles en pensant à Beyoncé sans se soucier de la répercussion de ce qui vient d'annoncer. Moi, j'évite donc de ne pas lui rétorquer pour ne pas rentrer dans le clash. Alors, Gérald, tu joues les PD. Déjà que je te savais obsédé avec moi, tu vas te décéder, je vais t'exploser comme t'en vas ta cache. Chulé. Non. Nous sommes les pédagogues du système éducatif. Le contrôle est une valeur en vogue, même quand ils se jettent sur nous en nous insultant, en nous prenant par les tifs. Je vous jure qu'aujourd'hui, on ne gagne plus le respect en distribuant des bons points ou des dragées, qu'on les dérangerait même bien de temps en temps avec des bons coups de poing bien placés afin de les calmer. La calmie, à elle, ne vient qu'après plusieurs minutes où je parviens à le maîtriser à terre sans insultes ni coups de poing, mais fulminant au fond de moi comme le foyer d'un cratère. Enfin bon, faut que je vous dise que mon petit Mac, il n'a pas de maison, un père en prison, et puis en plus, il a perdu sa mère. C'est pas drôle. Depuis, il vit au foyer traînant l'héritage de la société, celle qui laisse derrière elle des orphelins. Et nous, dans cette belle cage dorée de l'ordre qu'est le collège, nous n'avons pas le cœur léger à ne pas faire des gosses adorés de ce genre de félins.